voir. Je veux que tu pries. Quand Dieu fait quelque chose de bon, il faut glorifier le nom du Seigneur. Amen. Mais bien aimé, la Bible me dit dans le livre d'Apocalypse 3, 20, il se tient devant toi. Si tu l'ouvres la porte, il entre avec toi, il vivra avec toi. Amen. Mais bien aimé, je suis venu glorifier le nom de l'Éternel maintenant là. C'est parce que Dieu a fait grâce sur moi. Mais bien aimé, je pensais être veillé, mais je ratais. C'est parce que mes enfants étaient malades. J'ai appelé l'ange de l'église, j'ai dit je veux venir, je vais participer. Quand vous faisiez 21, moi j'étais déjà dans les 40. Amen. Amen. Moi le 21 est venu me prendre un chemin, mais j'ai commencé déjà les 40. Mais bien aimé, je passais une formation, et c'était un peu compliqué pour moi. Mais bien aimé, on est parti dans le lieu des stages. Mais bien aimé, lorsque je faisais des stages, on m'a compliqué la vie à cause de notre peau. Mais bien aimé, je n'ai pas laissé. Je disais, Seigneur, pourquoi ça? J'ai travaillé, je faisais tout ce que je pourrais faire. Mais on m'a dit, on m'a mal coté. Ma formatrice m'a appelé pour dire, Sandrine, comment tu as fait ça? J'ai dit, Michel, ça m'énerve là. Si c'est comme ça, je dois aller là-bas à la direction. Et puis, je vais leur dire, pourquoi ça? Tout ce que j'ai fait avec des sacrifices, j'ai travaillé jusqu'à 20h. Et j'ai laissé mes enfants seuls. Michel a dit, ce n'est pas un mariage avec toi. Je lui ai dit, je plairai à la maison. Je vais vraiment plaire. À la fin, j'ai dit, Michel, moi, je ne vais pas aller récupérer les notes. Ceux qui vont coter, qu'ils cotent. Je prie mes genoux, je me suis fait. Et la personne qu'on m'avait dit, quand on m'a dit qu'on t'a mal coté, j'ai prié. Quand j'ai prié, Dieu m'a montré la personne qui a dit tout ça sur moi. Les derniers jours, je suis allée dans sa maison. Je me suis mis debout, je me suis dit, je ne veux pas m'asseoir aujourd'hui. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Après, elle m'a dit, oh, mais prends la chaise et assis-toi. Je me suis dit, je ne vais pas me mettre aujourd'hui. Oh, pourquoi? J'ai dit, vous savez, dans la vie, il ne faut pas me faire mal aux gens. Si tu veux briser mon cœur, j'ai quelqu'un qui, car Dieu a aimé le monde, a donné son fils unique pour moi. Ce n'est pas toi. La dame m'a dit, oh, tu me dis ça pourquoi? Tiens, tu pries? Moi, je dis, oui, je prie. Tu lis la Bible? Moi, je dis, oui, moi, je suis chrétien. Elle a dit, est-ce que tu sais que dans ce monde, tu ne peux pas me dire ça? Moi, j'ai dit, oh, je suis venue servir, mais aujourd'hui, je vais te le dire. Tu sais, quand tu m'as fait blesser là, j'avais pris mes genoux, je me suis fait. À cause de toi, je savais que c'était toi. Mais il faut savoir, il ne faut pas faire du mal aux gens. Il faut savoir que nous tous vont mourir. Il n'y a personne qui va rester sur cette terre. Elle me dit, non, il ne faut pas dire ça, on est encore jeune. Tu es jeune. J'ai dit, non, même si je suis jeune, si Dieu dit aujourd'hui, je vais partir, je vais mourir. Je vais mourir, je vais aller. Et toi aussi, tu vas mourir. Oh non, elle voulait commencer à dire, je dis, il faut savoir les chemins que Jésus a passé sur moi. Il a pris ses genoux, il a croisé. Tous ceux qui étaient des souffrants, des problèmes, ne pourraient pas passer sur ses genoux. Ça devait rester là pour que je savais que dans le troisième jour, Jésus va ressusciter. Tout de bon, ça va me suivre. Du bonheur, la bénédiction, la joie de réussite, ça va me suivre. Elle m'a dit, aujourd'hui, je vois comme si tu es un peu en colère. J'ai dit, je ne suis pas en colère, mais je suis en train de te parler ce qui est de l'Éternel. C'est passé,
On m'a coton la remis tout. Mais bien aimé, j'ai fait mon dossier professionnel. À la fin, vous savez, quand on finit les stages, on passe les dossiers professionnels. Mais bien aimé, on était à 13. 5, ils étaient partis, on est resté plus ou moins 9. À 9, je vous dis, les dossiers professionnels sont venus. Il n'y avait que 8 dossiers. C'est parce qu'on était resté 9. Le 9e dossier, c'était moi, c'était... on ne les retrouvait plus. Mais bien aimé, le même jour, là, je me suis dit, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi, ça doit être moi? Et le même jour, mes collègues me disaient, Sandra, tu dois parler, mais tu as remis ton dossier. J'ai dit, je ne dis rien. Que Dieu soit loué. À l'intérieur de formation, tout le monde a... Mais pourquoi ça? J'ai dit, que Dieu soit loué. Je ne vais rien dire. Je ne vais pas réclamer. Et la directrice a dit, comme il y a 8 dossiers professionnels, il y a que les 8 personnes qui vont passer l'examen. Dans la 9e, comme il n'y en a pas, je ne passe pas mon examen. Mais ils ont oublié, c'était les 9. Mais bien aimé, c'était les 9. Les nefs, mes bien-aimés, c'est passé. Mes bien-aimés, je suis rentrée à la maison. À l'intérieur de la formation, je n'avais même pas pris les billes à écrire. Je suis allée dans un coin, j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai commencé à écouter les chants d'adoration. J'adorais Dieu. J'adorais. J'ai dit, Seigneur, pourquoi toutes les choses seulement, ça va devenir sur moi? Pourquoi moi, c'est ma Sandrine, pouvez pas faire des choses pareilles? Mais je sais que, Seigneur, Abraham, tu t'es à Paris. Comme Jova, et chez moi, je sais que tu seras Sabaoth. Je sais que tu seras Sabaoth. On peut dire mon salut pour la Sabaoth. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas te guérir. Et bien, je suis rentrée. Je suis rentrée à la maison, arrivée à la maison, je prie, je continue à prier. Seigneur, je dis, je ne veux pas laisser, je ne veux pas laisser, je ne veux pas abandonner, je continue. Les 9, les 10, et bien aimé, les 11. Moi, je dois passer l'examen les 8. J'avais déjà mon fils. Mais bien aimé, je sais que Jésus est ressuscité. La troisième jour, mes bien aimés, on m'a envoyé un message pour me dire que mon dossier est à Paris. On a vu mon dossier. Je vous dis, j'ai dit, Seigneur, tu es bon. Mais bien aimé, quand le pasteur prêchait, quand il disait tous ces versets-là, Hébreux 11, le verset 1, mes bien aimés, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. Mes bien aimés, n'abandonnez pas. Quelle que soit ta douleur, quels que soient les problèmes, quelles que soient les montagnes, mes bien-aimés, il n'y a personne qui est plus que Jésus. Mes bien-aimés, il n'y a personne, mes bien-aimés, il n'y a que Dieu. C'est pour cela que moi je dis aux gens, et moi quand je loue, quand je danse, c'est parce que je sais ce que Dieu fait dans ma vie. Il n'y a personne qui peut me le faire. Il n'y a que lui. Na geste mane yo meli kenyo ye, na minyo koma wape mpasi. Yondi miyo koma lisu Eloko yo sala na note Yomoto umeli na bo santu Eba na boni yo koma lisu Yaya nanga yo bongi na ya kote Eza kande na meri jaki Pasyo yo Yeah.
notre Dieu sur la croix. Quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité pour toi. Ne remettons pas notre Dieu dans la croix. C'est parce que c'est nous qui remettons Jésus-Christ dans la croix. C'est nous. Nous sommes des pécheurs. Nous ne voulons pas laisser le mal. C'est pour cela que Jésus est en train de se remettre dans la croix. Et c'est pour cela que tu vois dans ta vie, rien ne change. Il n'y a pas de changement. Alléluia. Mes bien-aimés, il faut craindre l'Éternel. Il est bon. Il est bon. Il est merveilleux.